dernièrement. Le FCC a adopté une attitude selon laquelle on frappe sur tout général de Félix Tshisekedi. Oyonyo Swazali fort na ngambuya Félix Tshisekedi ayant la majorité parlementaire bazo frappa kabango. Ceux qui m'ont cano, pas plus de 20 personnes. Parlement, c'est 500 personnes ou plus. Alors, pas question. À ce qui coûte mon cano cœur, et le point est au salamaté dans ses attributions en application et ordonnance présidentielle. Et ça là qui coûte mon oyo, et ça là qui était en compagnon, hein, en compagnon, nande konabiso Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a dénoncé, yé ministre. À appliquer loi n'engue lobby pas plus de 20 personnes et puis ça qui va nous connaître sur FCC pas si parce que bah il qui obligatoirement va côté en congrès va destituer président de la République ou en Israël révélation détail il faut tout retenir yango tolanda toko côté en congrès mon historique on a mais ça la maté inédit donc mon quand on a bangou ça qui passe les logo mon on est ça la maté pour prolonger état d'urgence ça c'est du ça c'est de l'ordinaire. Mais l'objectif n'a pas été fait pour nous. Alors, nous avons dit que le ministre de l'Intérieur a dit non, il faut voter sa ordonnance. Et puis. Merci, Bandeko Balangi, pour le message de la mission fantastique. Info TV, au Bolanda qui vit dernièrement, le lot est en deuxième numéro, au Tobeta Kamasolo et à Mboka, Masolo et à RDC de partout dans le monde, aux alliés dans tous les continents du monde, au Bomessani Kolanda Bisso, Boko Bassin à Bolanda. Actualité à Mboka Nabisso, les alliés qui varient au jour le jour. Les lotolali, l'obitolamouki, actualité, ça peut varier. L'actualité sociale, l'actualité politique, l'actualité même judiciaire. Dans ma cambozali, qu'on est en justice, il y a un bon cannabiso. Na bandi, les loni sous bon, mais ça n'a pas tozali, n'a pas si j'ai mis ça, tout bandi, tout développé. Comme la fois dernière, Bolandaki, les loni sous tozana, n'a pas si j'ai mis ça, tout. Toko développé nabino bolanda pe bozala prêt ni susu ya kolanda kaba prochain numéro nabiso parce que objectif nabiso ezali ya ko faire comprendre nabino ba imboka o bozwa mina ingoma mokonzi ya Kinshasa capitale intérieure pe libanda ya mboka c'est-à-dire la diaspora congolaise de partout dans le monde pour en faire comprendre bino tout ce qui se passe en République démocratique du Congo bozali na droit ya kozwa ba information à l'heure à la minute. Mais Nanzela ya fantastique info TV, bape sibiso Nzela, pe bape sibiso occasion wana ya kosola kanabino. Lelo to kosola natina ya juste 3 sujets. Sujet à liboso to répondre li sous rotoloba qui dernièrement au étali sur malaise. Ou ezana kati ya accord ya FCC cash parce que. Boyebi malamu que la République démocratique du Congo ezali mboka na biso oyo lelo ezoka mama na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali chef de l'État édi au cours des élections oui salamaki le 30 décembre 2018 ndeya zalaki élu yenda zali l'actuel chef de l'État kasi pouvoir na ye efandisami na accord oyo ye asignaki na cash na lamu pito na FCC accord wana ezalaki ete FCC ezalaki na majorité parlementaire ya ezalaki na présidence nde bayokanaki bakamba mboka kasi accord yango toza komona lokola ekomi pe kokoso ya avancement ya mboka il faut pe to lobela ngo nde to retenaki yango avec vos points de vue aussi. Bo lingaki mingi to reprendre parce que to kozonga kana makambo to lobaki lobite ndenge na lobi actualité zo varier il y a aussi des faits nouveaux qui nous font encore réfléchir à ce que cet accord pose de sérieux problèmes sur l'avancement de la République démocratique du Congo et deuxièmement to koloba sur crise mondiale na koloba internationale bien parce qu'international renvoie aux États, et cause à la 3-4 États, mais autres ont traversé dans le monde entier, c'est une crise mondiale. Ça touche l'ensemble de la planète Terre. La crise sanitaire, la pandémie à coronavirus, ils allaient frapper le monde entier, ils allaient terrasser les grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique, comme première puissance militaire
et une très grande puissance économique, il y a un monde entier à aller frapper. Les lois ont enregistré 1,5 million cas enregistrés, sans compter le nombre de morts. Oh, les lois dépassaient 100 000 morts. Donc, crise, il y a RDCT, il y a France T, car c'est allé mondial. La RDC, les lois commune à 3 000 et quelques cas. Crisoana et Saliété, le monde soit en suspense, c'est-à-dire le monde arrête les chronos normaux de la vie quotidienne. Oyoto Katigno Soyabiso, Bansegna Batiko Tangi Sabana Bazongi Bandaku, Bapapa na Misala, Bakati Misala, Match Tomesana Botala et Sili Nyon Soto. Donc le monde est en suspension. On a tout suspendu sauf rien, même aux églises, pour suspendre même. Bah, activité spirituelle n'a plus tout ça là. Cette crise là aura essentiellement les répercussions sur les économies mondiales. Les économies mondiales, les économies de tous les États du monde, même les pays qui ne sont pas encore touchés, sont concernés par la crise parce que l'isolationnisme et Zali n'existe plus en ce 21e siècle. Tous les États vivent en interaction. Lorsque vous n'êtes pas touché pendant que vos partenaires sont touchés, vous ne saurez pas fonctionner. Donc, même les vols internationaux suspendus, tout ça, ils allaient crise ou ils allaient mondial, trouver tel solo dans vos paskets. Maintenant, la RDC, tout au Rwanda, awa une énième réunion et un conseil des ministres, bah, table sur la nécessité à reprise, il y a bah, activité, notamment bah, cité bah, église, bah, cité bah, bar, bah, bah, restaurant, bah, terrasse, il faut zonga en activité, donc l'activité bah, ou zonga, c'est-à-dire nous sommes partis du confinement pour le déconfinement. Alors déconfinement, déconfinement problématique, il y a les lots, tout est bah, pour réfléchir, comment est-ce que la RDC peut s'en sortir suite à cela, parce que voyez malheureusement que la RDC est un état à une économie extravertie, une économie très monolithique, où ils allaient reconnus justement, où ils ont assise sur les minéraux. On n'a rien hormis les minéraux. Alors, lorsque nous connaissons une crise pareille, on n'a pas une économie diversifiée et pour ça, sincèrement, on a des répercussions dans le cannabis et c'est normal parce que cette économie, plutôt cette crise, elle est réelle. Pena suka to kobeta masolo to beta ki pe dernièrement parce que makambu pe développé to kombe ma ba fait nouveau au Italie mort tragique ya mwana mboka Rafael Yani oazala ki juge président en intérim ya tribunal ya grande instance ya Gombe pe ye lokola pe azala ki moko ya ba juge o ya dossier à 100 jours a outa ki kokufa. Un mort un peu très suspect, mort mon cousin qui commentait de partout. Les lois justice a tia qui enquête banda enquête yango nenge boyebi chers amis oyoboza kolanda biso de partout dans le monde. Enquête yango et banda qui est posé déjà premiers éléments en termes de réponses et des résultats bah confirmé été ndeko wana akufa ki na liwa oyozamba tia la biso na mokilité. Il y a un taki koufa na un empoisonnement. Donc ça c'est un élément où le résultat et autopsie pécite au développé tina na yango pour encore ba qu'est-ce que nous pensons nous en tant que citoyens congolais les ni to réfléchir na au état limbo cannabis. Bien merci na pour rappeler le sous identité na nga comme l'autre fois au solo la qui ezali bel et bien moi na mboka Eli Pangu na zali avocat secrétaire général, il y a parti des réformes dans la société, parti allié de l'UDPS, membre à CACH, et Kambami na mwana mboka Rigobert Kuta mwana Kuta, Oazali Moko, il y a ba compagnon d'élite, il y a Etienne Tshisekedi du Chilombo, Azala qui à l'époque, depuis l'Union sacrée de l'opposition, Etienne Tshisekedi a créé Kina Baninga Misusu, il y a opposition contre. Moi, je suis Mobutu Sese Seko, il y a porte-parole, il y a Union sacrée de l'opposition à niveau de Benelux, c'est-à-dire dans la région européenne. Donc, il y a Zalaki, porte-parole, il y a Union sacrée de l'opposition. Et il y a Bunda qui vraiment, et Longuna Etienne Tshisekedi, pour rappeler Pelissou Souye, Azali, parmi Bako, Yotam Tshisekedi,
à Zalaki déclaré non élu par la CENI alors que Zalaki voté massivement par le peuple congolais. Yaza parmi Oyo Basalaki la majorité parlementaire, la majorité présidentielle populaire na Ndekodio Mindongala ou Isalaki Dio Mindongala ba kangai na tina ya makambu yango yé à s'exilaki encore à l'étranger ndazongaki après Bayakor Oyo ya Saint-Sylvestre. Donc Yewana Ndeko Rigobert Koutande président national pour autorité morale. Il y a parti des réformes dans la société au Nakambaka, administration en mot comme secrétaire général. Bon, sans plus tarder, toko bandana premier point d'abisso. Premier point d'abisso, Ezali tablé sur les malaises nakati accord FCC cash. Ngao naza kolo banabino, nazali pe moko ya ba acteur politique ou azali concerné na makambango parce que tozali nakati ya cash. Peut aux alliés qui assistent depuis un certain temps n'a un sérieux problème qui se passe au niveau y a bah accord y a mot. Alors tu le vois qui dernièrement malaise y a liboso et ça penza et belé et ça penza et belé car si autorité n'a qui dernièrement et ça qui coup de force au yobande konabiso ya cash ya lamuka plutôt ya FCC plutôt j'allais dire bande konabiso ya FCC ba joaki oyo et conduire le lot na destitution à monamboka Jean-Marc Kabund Akabundo azali président national en intérim na IDPS o azali parti phare ya cash. Alors yango ezali mokope ya bakuka c'est ça quand wanate mais tant d'autres aménagements. Alors, il vous souviendrait que Tozali n'a encore dernièrement ce qui botali action parlementaire yalelo, c'est-à-dire législature ou ekamba mina mona mboka Janine Mabunda, ezali législative ezali quoi parlement moko oazali trop répressif vis-à-vis ya vision ya mwanamboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Na dévoilé que le moko dernièrement le FCC a adopté une attitude selon laquelle on frappe sur tout général de Félix Tshisekedi. Oyo nyonso oazali fort na ngambu ya Félix Tshisekedi étant ayant la majorité parlementaire, bazo frappe à Kabango. Dernièrement, Tolandaki, mon amboka Jean-Marc Kabund, Oyo a dénigé qui peut a dénoncé qui coup d'état de force constitutionnel au Bangui Basala contre mon amboka Félix Tshisekedi au Bangui Basala destitution président de la République au cours ya Oyo Tobengi Congrès. Tant mon amboka alors, pour réfléchir, il faut réfléchir à ce que je veux dire. De partout, parmi ceux qui me suivent, il y a des intellectuels de hausse facture qui ont été les matins. Peba oyo, peba zaba ninga, to peba yaya, bandeko ba mama. Il faut réfléchir, madame. Alors, mon amboka Jean-Marc Kaboul a dénoncé que pas question il y a Congrès, parce que Makanisinabino, Ezali était d'urgence, c'était Makanisinabino, Ezali, pour destituer le président de la République, ou Azali, élu démocratiquement par le peuple. Et puis, si Mokanda, il y a un peu ici, Jean-Marc Kabund. Car c'est ce qui en a été, parce que politique, il y a adopté, Ezali, qu'on frappait dur sur tous les généraux, quiconque s'élève du côté du chef de l'État, pour dire non au projet kabbalistique, pour dire non à tout ce qui semble déranger leur vision maléfique, parce que je rappellerai à vous qui nous suivez que ça ferait près de 20 ans au Bambo Bakambimboka sans nous et voyez le résultat. Et maintenant, ils veulent s'accrocher et s'imposer. Je sais qu'avec intention de nous donner des résultats d'hier alors que le régime a changé. Lobby Bolanda qui lobby on a solo bao et le quitte, on a solo ba lobby, c'est-à-dire Nicolo Oyo et Utiko Leka Awa, Bolanda qui bel et bien, mon amboka le ministre, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, mon amboka Gilbert Kakonde, tangu malaise et kota qui entre Likambuka Kayango, il y a congrès, il y a en tant que ministre, il y a
intérieur a tellement qui a silic a tellement qui perd au bagui mi beko ya mboka fweto sama parlement a koyi ko sanganate en violation ya ba loi ya mboka. Président de la République a souhaité mon cano pas plus de 20 personnes. Parlement c'est 500 personnes ou plus. Alors pas question. A souhaité coûte mon cano que et le point est au salamaté dans ses attributions en application et ordonnance présidentielle. Et ça là qui coûte mon co oyo et ça là qui était en compagnon, hein, en compagnon nande konabiso Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda a dénoncé hier ministre. À appliquer loi n'engue lobby pas plus de 20 personnes et pèse qui bande qu'on a vu sur FCC pas si parce que balina qui obligatoirement par contre en un congrès va destituer président de la République. Wana Isali révélation détail il faut tout retenir yango. Tolanda qui Francine Muyumba Ozala qui ancienne présidente ya jeunesse panafricaine ou a commis le sénatrice Azole Kanate Bazoloba. Toko kota na congrès moko historique on a mis ça la matin inédit donc mon quand on a bango za ki ba sale loko moko non est ça la matin ko prolonger état d'urgence ça c'est de l'ordinaire mais objectif na bango za ki ndenge mususu alors natina na yango ndeko le ministre ya intérieur aloba ki non il faut boto sa ordonnance et puis président de la république par la suite aye ko sala une ordonnance portant dérogation à déroger toko sangana té plus de 20 personnes mais pour na parlement oui pour iko sangana exclusivement pour na ba question zidouane au ezota la mboka asala ki ordonnance il y a dérogation il y a première ordonnance au etala ki kaka ba parlementaire il y a monde sala ki ke ba parlementaire ba ndako sangana nde na pota wana ya motema oyu ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda dénonça ki pe ya mwana mboka Gilbert Kakonde ye pe aplika ki loi oyu ezali na mibeko ya mboka na biso et sala ki bango pasi lelo après avoir frappé sur Jean-Marc Kabunda lelo sko ba komi ko viser mwana mboka Gilbert Kakonde ya moto zali ko dénoncer ba outé ko entendre ye sur à travers la commission parlementaire qui s'occupe de la défense et sécurité ba entendre ye et puis par la suite bala qui est motion. Moi, dans mon cas, tout fond la mato, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec les cas chez FCC. Bala qui est motion. Motion de défiance. Tomona et Salama n'a mina pouvoir passer. Ba détournement, il y a pas millions et des millions. 400 millions au babongisa qui kotonga, aéroport international Yanjini. Basa l'aéroport aux standards internationaux. Mbongwana et Bima, lelo ata brik to moni kunate. Nulle part, ba interpella DG ya RVA, nulle part ba interpella ministre ya transport de l'époque. Bango ba zaki na parlement peu majoritaire FCC de l'époque. Ba sala ya ngoti. Kasi lelo ba lingba ye bisabi soto komi ba démocrate. To landi si ko yoto kontrola ka gouvernement to ko isa ka ba ministre na rappelé na bino ministre moko ba outi ko déféré devant cour de cassation ministre ya mwazana ni ministre ya mo azali moko ya ba imboka ba membre ya cash azali moko ya UNC ba voter levé pas levé des immunités je parle plutôt de l'autorisation des poursuites ya mwana mboka ntumba le ministre de la recherche scientifique ba levé par la corruption yewana a commis devant le parquet aza ko samba tangu le même parquet a sengi bango bo levé ba immunité ya ndeko président ya sénat tambo mamba baboy mais tangu sengela ki ko levé ba immunité ya mwana mboka ntumba azali ministre membre ya cash précisément UNC ba levé ba immunité yewana azali ko comparaître devant parquet. Donc on comprend maintenant que il s'agit d'une politique de deux poids deux mesures avec l'intention de faire échouer le mandat du chef de l'État. Nazan ko ba sur la question il y a le coup qui est en train d'être préparé sur le membre du cash notamment au route n'a révélé. Vous le savez bien, je les dénonce tout de suite là. Et ce que je suis en train de dire, c'est en rapport avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, le loi Zali visé par une motion de défiance. Pendant mon cas, je vous rappelle que, et je vous préviens que,
la question qui fait à ce que le ministre soit, parce que FCC est en majorité, s'il veut faire tomber un ministre, c'est facile pour lui. Alors, qui ferait à ce que le ministre soit déféré devant voter à son encontre une motion de défiance? Et Zali Likambo, oh, Zali Ko, Gange la Yete, et Zali Likambo, oh, Etali, Ndenge ministre, a tellement qui est le monde à mon amour, Jean-Marc Kabound, pour mettre hors d'état de nuire les ennemis du peuple, oh, Bajaba, destituer mon amour, Oyo, population congolaise de partout du monde, oh, Batia qui m'a beau pour les lois comme président, n'avait intention malfrana, Bango Banga qui va destituer. Ndekanda Wana Bazongé de Gilbert Kakonde, le loto Zoloba. Pardon, si ma lobby, topé semaine, tozo banda, boko mona, ndeko wana, oya la ki motion de défiance, akole kana parlement, akotia motion de défiance, pe akosa la souteni totalement par le FCC. Bouti kolanda mwana mboka mamba, oya zali moko ya la mouka, atie pétition, banan basinye pétition ana, 95% c'est FCC. Tozo comprendre combien de fois il y a de malaise au sein de cette coalition. Une coalition qui était faite dans des situations ou dans des moments ou sinon dans des circonstances extrêmement exceptionnelles, très 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 transigeantes, au sein de coûte que coûte, coalition en Essalama. Kasi, il y a certains qui sont en train de saboter cette coalition, en train de combattre le chef de l'État. Alors, moi, je suis Gilbert Kakonde, je suis victime, je suis visé. À qui le prochain tour, on ne sait pas. À qui le prochain tour, on ne sait pas. Mais cependant, je vous préviens, c'est que je dirais non pas comme un prophète, mais comme un analyste politique et un politique de surcroît, que vous allez comprendre qu'au plus seraient les membres du CACH qui seront traqués, qui seront vraiment réprimés, et non pas à cause de leur fonction politique, mais plutôt à cause de leur vision politique aux côtés du chef de l'État, parce qu'ils sont en train de soutenir la vision du chef de l'État. Le monde en boca Gilbert Kakonde, lobby, tu es habité Kozalanani, Sima lobby, tu es habité Kozalanani. L'objectif est de dévaliser la. Et dévaliser le président de la République, de ravir le président de la République de tous ses généraux. Nous avons enregistré autant de morts dans les, au sein du cabinet du chef de l'État. Ça, on n'en dira pas plus parce qu'on n'a pas plus d'éléments. Nous avons enregistré cela, nous avons vu, vous connaissez combien sont morts à cause de cela et à cause de la prétendue COVID-19. On ne sait pas plus, on attend les résultats de certaines enquêtes qui sont en train d'être menées. Mais cependant, tout ça pour enregistrer tout le jour que Dieu a fait, les coups de plus, les coups qui sont menés et qui sont frappés de la part du FCC pour déstabiliser le chef de l'État. Tomoni Lissousou Kaka, sur la même optique, combien de fois FCC qui s'est fait aider par la Mouka pour déstabiliser la République, c'est-à-dire combattre le chef de l'État? Tozali Kolanda, Tozali Komona, Tozali en train de comprendre cela, peut Tozali Ko dénoncer. Bana Mboka de partout, vous nous suivez, na yebi question na vini na minute, o bozo loba, me bozo ou me la kasinini pour na kokata kaongo, vous reconnaissez qu'ils vous font de coups, vous reconnaissez que vous êtes le plus marginalisé, vous êtes combattu, on ne vous permet pas, et pourquoi vous pleurnichez? Parce que vous avez encore la latitude de rompre l'accord, et pourquoi vous vous plairiez devant nous, alors que nous ne sommes pas signataires de vos accords? Et puis c'est ça les questions qui se posent maintenant, c'est ça vos préoccupations, et c'est ce que vous êtes en train de me dire, ça je ressens ça déjà. Alors par rapport à cela, Bana Mboka, avec votre appui, Naloba qui dernièrement que qui rira bien rira les derniers. Et Tozali ko assister na ba ndeko oyo bazo rire en premier. Mais qui rira bien, qui rira mieux, qui rira parfaitement, très bien, c'est celui qui rira le dernier. Parce que le combat, ce n'est pas son début, le combat, c'est sa fin. Et c'est dans sa fin que nous comprendrons qui est gagnant, qui a vaincu et qui est vaincu. C'est dans cette optique-là que le chef de l'État prend tout son temps. Tant que nga lokola yo to comprendre makambo ezoleka. Yo comprendre nga pe na comprendre.
Après avoir comprendre en gros, yo bandite que Bisson a caché, topé moi en boca, le président de la République ne comprendra pas qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il comprendra ça peut-être plus que nous, parce que lui, c'est un acteur politique de très grande notoriété, préparé pour briguer la fonction du chef de l'État, et avec tous les experts à ses côtés, donc il peut certainement comprendre. Mais cependant, les maîtres plus à Zelaka, yo, aux hommes Nisaye, obéta toutes tes prises au Yekola na classe. Parce que si on a besoin de ça, et que ça peut-être plus mortel, peut-être négocier là. Tu as dit qu'on enregistrer, peut-être qu'on déplorer les Kouba, qu'on a dit qu'on a un niveau, il y a accord et des malaises. Le long de mon Gilbert Kakonde, lundi, Nenge a auto zala interpellé motion ezali déjà likolo ya mutunaye soki motion ane salami je vous assure que arozala esu sous ministre était parce que FCC ndaza na majorité parlementaire a plus ou moins dans le plus de 250 députés. Donc c'est sûr mon amboka akokoya soki ba sali yango sûr et akokoya. Alors, ce qu'a pris, je ne suis pas sûr que la lutte serait finie de la part du FCC. Baroka nani susu nani lobby, nani sima lobby. Mais je vous rassure, Banamboka, qui rira bien, rira les derniers. Néanmoins, il y a une observation dans Salaki Pona Bino Bolanda Kabiso, dans Fantastique Info TV. Mikolo na Mikolo Pona Kobeta Masolo ya Mboka, Pona Posolo la Oetali Ekolo, actualité politique en République démocratique du Congo. De partout où vous êtes, vous gardez vos cordons ombilicales rattachés en République démocratique du Congo. Vous aimez bien ces pays et vous avez toujours de l'amour voir ces pays aller de l'avant, voir ces pays réussir et surtout que vous ne manquez pas vos familles ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Fonabet et la Rabino Masolo, nulle part n'a limité dans la diaspora. On trouverait toute une famille avec les arrière-parents en Europe, aux États-Unis, partout en Asie. Ce serait toujours une petite partie qui serait en immigration, mais cependant une très grande partie barotika en Mboka et Mboza Kaka na souci Mboka na bino de na zobete na bino wa masolo oyo. Deuxième analyse on a sali sur les malaises au sein du FCC et cet accord ne subsistera pas éternellement pendant que nous sommes en train de vivre de Kouba tous les jours. Bobangate, ce n'est pas à vous de prendre la dernière solution, c'est plutôt aux acteurs politiques que nous sommes, membres du CACH, voir dans la mesure du possible comment aussi riposter, parce qu'en politique, on ne vient pas comme un faible, chacun démontre ses biceps, sinon on est nul. Alors, lorsque à notre tour, nous allons riposter, vous allez voir qu'est-ce qui pourrait se passer en République démocratique du Congo, car le peuple gagne toujours. Aucun parlementaire n'a été élu avec 1 million de voix. Aucun parlementaire, et ce n'est même pas possible, il n'y a même pas une seule circonscription en matière d'élection de parlementaires qui aurait le nombre des électeurs supérieurs, même pas à 900 000 électeurs. Mais le président de la République, il a allé voter à plus de ça, donc il est le seul à avoir le destin du peuple congolais dans le Sénat. Alors, on ne peut pas tout permettre. Voilà pourquoi la Constitution donne même la latitude de dissoudre l'Assemblée nationale s'il est chef, de faire tomber les assemblées provinciales, d'avoir l'incarnation de l'ensemble du pouvoir étatique d'entre ses mains. Là, nous y reviendrons parce que Awatozo Betamasolo ou Ezali d'actualité. Lorsque ça deviendra dans l'actualité, on reviendra pour en parler beaucoup plus, pour comprendre l'issue. Deuxième question, ma bison tokanisa kito solo la, les anima kambo etali COVID-19. COVID-19. COVID-19 au tobengi coronavirus. Les malade oyo et frappé le monde entier, et frappé la RDC, et frappé de partout dans le monde. RDC azali épargnéte. Les lots yoki na niveau ya Conseil des ministres,
On parle déjà du souci à revenir à la normale avec le respect des gestes et barrières, de sorte que makambo tambola ndenge misana na yango to meka ki peko sa la moi réflexion, parce que ce n'est pas à mentir ni à s'excuser là-dessus que le peuple congolais est un peuple qui vit au bout du jour. Voilà, nous sommes en inactivité pendant plus de deux mois. De l'autre, déjà, au côté du troisième mois. Donc, c'est nécessaire to yeba ko vivre na corona. Au lieu au kima, alors que le pays va très mal dans le sens du combat qu'il y a, dans la guerre qu'il y a au sein de l'État, pour se permettre de mboka etambula mamalam. Alors, le conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué déjà une possibilité de la reprise de certaines activités pour essayer de faire des amortissements sur les coûts et les chocs que notre peuple est en train de subir. Et là, mesure mon coût est louable à condition que elle soit accompagnée de certaines mesures pour accompagner en mot pour que ça la reprise il y a activité de nature pour les alliés cités et même un pays n'a chaoté de sorte que maladie bête à sous ma casse pour que plus qu'on enregistre encore de morts. Alors natina na yango biso bayi mboka to zali ko kanisa et que la reprise il y a ba cours na ba université, il y a ba terrasse, ba bar, ba restaurant, ezali malam ou ezama bete kasi to ko proposer kaka que faut ezala pas comme avant parce que la maladie n'a pas encore quitté notre territoire. Il faut une certaine réglementation si ko et compte dans le domaine wana net na ba université. On peut organiser de sorte que les étudiants se battent en Gabon pour le Mongotier, selon les promotions, de sorte que les auditoires sont à la plainte. Ça, c'est un élément. Ils sont à la plainte. Dans la terrasse, ils sont un nombre requis de personnes. Ce qui est signé, on peut encore prendre notre client. Ça aussi, c'est un élément. Tenir compte de ça. Les gants, le port de masque obligatoire avant d'accéder à un cours à l'université, à l'institut supérieur, entrer dans une terrasse, port obligatoire et puis respect des gestes et barrières, c'est-à-dire lavage des mains avant l'entrée et puis lavage des mains avant de sortir. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Même Bissot, pour comprendre qu'il y a vraiment une nécessité parce que nous vivons au taux du jour. Alors, vu que le temps presse, moi je pense que c'était ça l'essentiel au sujet. Il y a mort inopinée, il y a Ndeko Yanni Raphaël, Oazali, juge président. Il y a chambre Oebandeko, juge Ndeko Kamere, Roi Kanindini, Oazali Moko, il y a allié, il y a eu de peste au niveau de cash. Alors, déjà, ma révélation, il y a autopsie, et puis si Ndeko Wana Koufaki. Na poison, alors meurtre par poison et infraction, ils ont puni des morts. Déjà, réquisitionner image au y a procès. Alors, image à procès, on a na bandi ministère public à cause de la bonne escient pour étudier quelles seraient les raisons qui ont justifié cette mort injuste. Na bandi été mis côté à juge na ba bonne condition pour na musala na ye ezali condition sine qua non pour réussir l'instauration de l'état de droit. Des ala qui réflexion na biso bana mboka de partout dans le monde où vous nous suivez, c'était bel et bien votre ami serviteur et aussi compatriote comme vous aussi vous l'êtes pour moi, Maître Élie Banzou, Oazali, secrétaire général, il y a parti de réforme dans la société, parti allié traditionnel, il y a UDPS, puis membre, il y a CASH, Oazali, qui réfléchit à Nabinoué et Longo, Oazali, qui réfléchit à Nabinoué et Longo, puis répondre à l'inquiétude,
Ou peut-être que vous quitter, vous pouvez la biso, na ba numéro ezali na page, ou ezali affiché au bas de l'écran, vous pouvez la biso. S'il y a des remarques, vous hésitez, il y a ça la biso, ba remarque, parce que c'est très important pour améliorer, parce que ma solo en boca, et ça va pas au mal à éviter, et ça peut au binou vous en mot comme information, pour il peut vous révéler la biso par tous les moyens, parce que déjà la technologie a simplifié les cas, vous en avez numéro, vous pouvez nous écrire pour nous parvenir vos suggestions et les éléments aussi en termes d'information au buso toyebi en moté pour réfléchir la bino et longo parce que le salut du peuple congolais n'est pas dans, en charge d'un seul individu mais c'est en charge de tout un peuple car on ne libère plus jamais un peuple mais le peuple se libère de lui-même. Ainsi, des ala qui réflexionnent à buso et à l'élo, ma pessibino ma tondi. La suite au prochain numéro. Bye.